Goedenamiddag. We hebben in het overlegcomité deze namiddag niet de beslissing genomen die we dachten te nemen. De coronasituatie in ons land blijft bijzonder delicaat. Na weken dat we in een situatie zaten waar we in een plateau zaten, een plateau dat redelijk hoog was, maar dat een plateau was, zien we dat de cijfers stijgen. Dat het aantal besmettingen een aantal dagen stijgt, maar we zien vooral dat de ziekenhuisopnames stijgen. Het aantal bevestigde gevallen is de voorbije week met een kwart gestegen, maar vooral het aantal ziekenhuisopnames is gestegen. We hebben vandaag de cijfers over de opnames gisteren. Gisteren zijn er 200 ziekenhuisopnames gezien. We zien dat die cijfers overal stijgen. Het gaat niet in één bepaald ziekenhuis. Het gaat over opnames die overal stijgen. En het dwingt ons om bijzonder voorzichtig te blijven. Vooral omdat we weten dat er een grote bezorgdheid is, omwille van het feit dat er varianten zijn die een stuk meer besmettelijker zijn dan de originele versie van COVID. Ik heb gisteren in de Kamer gezegd dat we ons moeten behoeden om roekeloze en onderdachte beslissingen te nemen. Als het stormt, dan kan je niet opstijgen. En met deze cijfers kun je niet versoepelen. Dat zou onderdacht zijn, dat zou roekeloos zijn, dat zou onverantwoord zijn. En daarom heeft het overlegcomité gekozen om voorzichtig te zijn. En heeft gekozen om een time-out van een week in te lassen. Een time-out van een week waar we de vinger aan de pols willen houden. Intussen blijft het huidige ministerieel besluit van kracht zoals het was. En we doen dit om te vermijden dat we op een moment waar er onzekerheid is over de cijfers, dat we een beslissing zouden nemen, een goed bedoelde beslissing, maar een beslissing zouden nemen waar we alles te grabbel gooien wat we de voorbije maanden hebben gerealiseerd. Dit is een moment van grote onzekerheid in de cijfers. Dit is niet een moment waarin je dit soort beslissingen kunt nemen. En vandaar dat we gekozen hebben om een time-out van een week in te lassen. Het valt mij bijzonder moeilijk om die beslissing te nemen. En dit is een koude douche. En ik wou zelf ook dat het anders was. En ik ben zeker dat er ook velen zijn die gehoopt hadden op een andere beslissing. Ik blijf ervan overtuigd dat het moment waarin we maatregelen zullen kunnen versoepelen, dat moment eraan komt, dat moment eigenlijk niet meer zo veraf is. Maar nu moeten we even wachten. En nu moeten we even wachten tot we meer duidelijkheid hebben. En vandaar dat we gekozen hebben om deze time-out van een week te gebruiken om meer duidelijkheid te kunnen krijgen. Ik weet dat het voorbije jaar bijzonder zwaar was. En zoals u weet gaan wij door de zwaarste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En dit teert op ons gemoed. Dit teert op onze draagkracht. Dit is iets wat bijzonder zwaar is om te dragen. En ik ben me te volle bewust dat sommige mensen het bijzonder zwaar hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan de meer dan 20.000 gezinnen die de voorbije maanden iemand hebben moeten verliezen. Een echtgenote, een opa, een tante, een broer of een zus. Maar evenzeer aan jonge mensen die het moeilijk hebben, die het perspectief verliezen en die zich de vraag stellen waarom het zo lang duurt. En ik denk ook aan mensen uit de horeca, mensen uit de cultuur, sectoren die opnieuw aan de slag willen gaan en die ongeduldig zijn om terug aan de slag willen gaan. Wij horen jullie stem. We doen er alles aan, samen met jullie, om zo snel mogelijk opnieuw activiteiten te kunnen opstarten, als dat veilig kan. Maar eerst moeten we daarom samen die laatste horde nemen. Die lente van de vrijheid, die komt eraan. Met meer scholen die open zijn, met terrassen waar we
samen een glas kunnen drinken met momenten waar dat we elkaar onbezorgd kunnen vastpakken. Zonder in vrees te moeten leven, te kunnen genieten van sport, te kunnen genieten van cultuur, te kunnen genieten van de nabijheid van elkaar, van vrienden die we soms hebben moeten missen. En dat moment is niet zo ver meer, is niet zo ver meer af. Maar dat kan maar onder één voorwaarde. En die één voorwaarde, dat is dat we in de komende weken extra voorzichtig zijn. En ik wil het jullie persoonlijk vragen. Wees extra voorzichtig. Ik weet dat het moeilijk is. Ik weet dat de verleiding soms groot is om te genieten van de lente die we nu geroken hebben. Maar dit is een delicaat moment. En alsjeblieft, wees extra voorzichtig. Het feit dat zoveel mensen in het ziekenhuis belanden, is een teken aan de wand en we moeten daar rekening mee houden. Het is nu aan ons allemaal samen om onze verantwoordelijkheid te nemen. Als we die verantwoordelijkheid nemen, dan is die lente van vrijheid, dan is die daar. Dan gaan we die kunnen vastpakken. Maar we gaan dat stap voor stap moeten doen. We gaan dat virus alleen maar afremmen met ons gedrag. We gaan dat alleen maar doen op de manier dat we het vroeger gedaan hebben. Dat is door samen ons te houden aan de regels. Dat is ervoor te zorgen dat we samen de verspreiding van het virus tegenhouden. En die regels die kennen we. Dat is het dragen van een masker. Dat is uw handen te wassen. Anderhalve meter afstand te houden. Je contacten te beperken. Die lente van die vrijheid, die gaan wij samen mogelijk maken. En we gaan die samen mogelijk maken als we voorzichtig zijn en als we verantwoordelijk zijn. Als we dat doen, voorzichtig zijn en verantwoordelijk zijn, die lente van die vrijheid, dan gaan we die kunnen opstarten. Maar in de komende weken moeten we bijzonder voorzichtig zijn. Mesdames et messieurs, nous avons dans ce comité de concertation cet après-midi, nous n'avons pas pris la décision que nous avons pensé de prendre. La situation par rapport à Covid dans notre pays reste particulièrement délicate. Et nous avons, après des semaines où les chiffres étaient à un plateau qui était assez élevé, nous avons constaté que les chiffres montent. Les chiffres de contamination montent et on voit aussi maintenant que les chiffres d'hospitalisation ont augmenté. Pression sur nos soins intensifs, certainement les 14 derniers jours. Près de 200 nouvelles hospitalisations qu'on a vues hier. C'est clairement un chiffre qu'on n'avait plus vu depuis un temps. Et on voit que cette augmentation d'hospitalisation, elle se réalise partout dans le pays. Ce n'est pas spécifiquement un endroit ou un hôpital. Et cette augmentation nous oblige à une très grande prudence. Surtout qu'on sait que ces variants sont beaucoup plus contagieux et donc nous forcent à être beaucoup plus prudents. Hier, à la Chambre, j'ai dit que nous ne pouvons pas permettre de prendre des décisions insensées ou irréfléchies. C'est clair, en pleine tempête, il ne faut pas décoller. Et les chiffres incertains aujourd'hui ne nous permettent pas d'assouplir les mesures qui sont aujourd'hui en vigueur. Ce serait insensé, irréfléchi et irresponsable. Ce serait la mauvaise décision de le faire maintenant. C'est pour ça que le comité de concertation a choisi d'être prudent et de choisir un temps mort d'une semaine pour avoir une vue sur la situation. Dans l'intervalle, l'arrêté ministériel qui est en vigueur maintenant reste en vigueur. Nous faisons tout pour éviter de perdre tout ce qu'on a pu réaliser les mois précédents. Nous savons tous qu'on a pu avoir une situation qui était plutôt stable. Prendre une décision d'assouplissement aujourd'hui, avec les signes qu'on voit dans les chiffres, ce ne serait pas une décision à prendre maintenant, ce ne serait pas une décision prudente. Et je trouve très difficile de porter ce message maintenant. Je comprends que cela est une douche froide et j'aurais moi aussi clairement espéré pouvoir annoncer une autre décision aujourd'hui, mais je reste convaincu que le moment où on pourra relâcher les efforts que nous portons tous, que ce moment n'est pas tellement éloigné.
Nous devons attendre un petit peu jusqu'à un moment où on a plus de clarté. Ceci est un temps mort, mais c'est clair qu'à un moment, les chiffres vont s'améliorer. On pourra assouplir les mesures qui sont en vigueur pour l'instant. Je suis tout à fait conscient du fait que l'année passée était une année éprouvante. Nous passons une crise qui est la crise la plus profonde depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je sais que cela affecte notre morale, cela affecte notre endurance et notre courage. Et je sais que certaines personnes sont en grande difficulté. Je pense près de 20 000 familles qui ont dû perdre quelqu'un dans les mois précédents. Perdre un conjoint, perdre un grand-père, un frère, une sœur. Mais aussi à des jeunes qui aspirent à la liberté. À l'Horeca, les gens qui travaillent dans les secteurs de l'Horeca, de l'événementiel, tous ces secteurs qui espèrent pouvoir reprendre le travail, nous entendons vos voix, nous mettons tout en œuvre pour retrouver ensemble avec vous cette liberté. Mais pour faire cela, nous devons ensemble franchir ce dernier obstacle. Ce printemps avec parfum de liberté dont on a pu goûter un petit peu les semaines passées, avec l'ouverture à plus grande échelle, par exemple, d'écoles, la perspective de pouvoir aller sur une terrasse ensemble et de boire un verre, de faire du sport, de profiter de la culture ensemble, de pouvoir le faire sans devoir avoir peur. Ce moment, il viendra. Et ce moment n'est plus si loin. Mais ce moment viendra uniquement à une condition. Et cette condition, c'est de redoubler la prudence maintenant. Et je vous le demande personnellement. Je vous demande d'être très, très prudent. Je sais qu'on est tous tentés à prendre notre liberté. Mais le fait qu'il y a tellement d'hospitalisations les jours précédents, c'est un signe qui doit nous inciter à être plus prudents et vraiment faire très, très attention pour vous-même aussi, mais pour les gens autour de vous. Si tous ensemble, on prend nos responsabilités, on va faire baisser les chiffres, nous rendons possible ce printemps que nous espérons tous. Et nous le ferons pas par pas, comme on l'a fait jusque maintenant. Mais nous devons nous concentrer sur ce qu'on doit faire dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Et le comportement, les règles à suivre, on les connaît très bien. C'est porter les masques, avoir une bonne hygiène des mains, avoir une distance d'1,50 m, limiter ses contacts. C'est les règles qui sont les règles qui nous ont aidés les mois précédents à battre ce virus. C'est une responsabilité que nous devons prendre ensemble, une responsabilité commune. Et c'est en prenant ces responsabilités qu'on va de nouveau avoir accès à cette liberté que nous espérons tous avoir. Mais pour le faire, ce qu'on a montré, c'est de la prudence et c'est de la responsabilité. Si dans les semaines qui viennent, on peut garder ce sens de prudence et de responsabilité qu'on a tellement bien montré les mois précédents, on pourra faire des pas en avant et on pourra prendre ces décisions d'avoir plus de liberté, ces décisions que nous tous, on aimerait tellement bien prendre. Merci beaucoup. Jan. Ja, goeie namiddag, bedankt u wel, meneer de eerste minister. U hebt de feiten goed geschetst. En ik denk dat wij allemaal heel goed beseffen dat er een zekere verwachting was bij de bevolking vandaag om toch een begin van heel voorzichtige versoepelingen te kunnen meemaken. En dat is dus nu niet mogelijk, gezien de cijfers. Ik denk dat de cijfers voor zich spreken. Maar ik zou toch een oproep willen doen om nu de armen niet te laten zakken en vol te houden. Er zijn gigantische inspanningen door de bevolking geleverd, het laatste jaar, zeker ook de laatste tijd. En we mogen nu niet de armen laten zakken, we mogen nu niet opgeven, we moeten doordoen. Er is maar één weg naar de uitgang, twee wegen eigenlijk. Dat is eerst en vooral de regels volgen, de eerste minister heeft ze nog eens geholpen. En dan natuurlijk de vaccinaties, want dat is denk ik het goede nieuws dat we kunnen brengen. Dat daar waar al gevaccineerd is, woonzorgcentra, ook eerste lijn zorgt, dat je daar de effecten van de vaccinatie ziet.
Het aantal hospitalisaties van mensen uit de woonzorgcentra loopt drastisch achteruit. Het aantal sterfgevallen van mensen uit de woonzorgcentra lopen drastisch achteruit. Dus de weg naar de uitgang is gestippeld. We moeten nu allemaal samen volhouden, nog even volhouden. En hopelijk, ik hoop dat uit de grond van mijn hart, want ik denk dat wij allemaal dezelfde verzuchtingen hebben als de rest van de bevolking. Ik hoop echt dat we dan volgende week de versoepelingen die we voor vandaag in gedachten hadden kunnen nemen, maar daarvoor zullen de cijfers moeten in de andere richting gaan. Dus nog even volhouden, maar samen geraken we hier zeker en vast door. Ja, ik voudrais simplement dire ceci, c'est que par rapport aux nouveaux chiffres des hospitalisations, la question que nous nous posons est de savoir est-ce que nous sommes entrés dans la troisième vague. Ou est-ce des données qui, dans les prochains jours, vont rester stables ou s'accroître ou diminuer un peu. Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire si on est dans la troisième vague ou pas. Si on est dans la troisième vague, c'est une exponentielle. Ça veut dire que ça va aller très, très vite. Si on écoute certains membres des hôpitaux, dans certains hôpitaux, comme l'hôpital universitaire de Gand, on le voyait encore hier sur la VRT, les personnels disent « on est dans la troisième vague ». Et nous, en tant qu'autorité, plutôt que de commettre des erreurs et tout gâcher, comme a dit le Premier ministre, gâcher les efforts de nos concitoyens, on préfère se donner le temps de quelques jours pour vérifier si oui ou non nous sommes entrés dans cette troisième vague et alors prendre des mesures plus appropriées. Pour ce qui concerne plus spécifiquement la Wallonie, je sais que beaucoup d'entre vous, je m'adresse aux journalistes, ont demandé qu'en est-il du couvre-feu. Alors vous devez savoir que quand on a pris le couvre-feu en octobre, fin octobre, nous avions en Wallonie une situation nettement plus dégradée qu'en Flandre. Depuis lors, la situation s'est rétablie. En octobre, par rapport à maintenant, en octobre, il y avait 5 fois plus de nouveaux cas de contamination par jour que pour le moment, malgré cette situation que l'on évoque avec les hôpitaux. Et il n'y a pas de différence significative maintenant avec nos amis de Flandre et d'ailleurs le ministre-président de la communauté germanophone peut le dire également, puisqu'il est, je pense, dans la même situation que nous. Alors, nous avions décidé en octobre, ce sont les gouverneurs des 5 provinces qui prennent des arrêtés, et ces arrêtés vont jusqu'au 1er mars. Les arrêtés qui prévoyaient couvre-feu à 22 heures. Nous ne demanderons pas de renouveler ces 22 heures au gouverneur. Donc automatiquement, à partir du 1er mars, nous serons sous le coup de l'arrêté ministériel, comme du côté néerlandophone. Nous aurons alors la même attitude, c'est-à-dire couvre-feu, non plus de 10 heures à 6 heures, mais de minuit pardon, à 5 heures du matin. Et je pense que mon collègue, le ministre-président de la communauté germanophone, et dans le même état d'esprit, mais vous pourriez l'interviewer si vous le souhaitez. Voilà un peu, monsieur le Premier ministre. Merci. L'occasion aux autres ministres présidents de s'exprimer peut-être au pupitre, je pense que c'est le plus facile de le faire comme ça. Pierre-Yves et puis Rudy Oliver. Merci. C'est évidemment, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons pris la décision en comité de concertation aujourd'hui, parce qu'on mesure combien les attentes d'assouplissement de tous les secteurs concernant la Fédération Wallonie-Bruxelles, que ce soit bien évidemment l'école, l'enseignement supérieur, la culture, la jeunesse, le sport, sont en attente d'assouplissement. Et
Il faut quand même reconnaître que notre population fait depuis un an d'énormes efforts. Et si les chiffres ont pu s'améliorer comme ils sont améliorés, je vais dire ces derniers mois, ces dernières semaines, c'est grâce évidemment aux efforts de la population. Mais je pense qu'il était préférable, c'est vrai, vu les chiffres de ces derniers jours et presque de ces dernières heures au niveau des admissions dans les hôpitaux, d'être prudent et de ne pas peut-être anticiper de mauvaises décisions, que ce soit d'assouplissement, mais parfois aussi de non-assouplissement, de se dire qu'on se prenne quelques jours, le temps de la réflexion et d'analyser les derniers chiffres, et donc de reporter à vendredi, lors du prochain comité de concertation, une série de mesures. Comme ça a été dit, je pense qu'il faudra analyser ces mesures, tenir compte aussi que le virus... il est là, il faudra continuer à vivre, à apprendre à vivre avec le virus. Il y a quand même la vaccination qui va aussi produire des effets positifs. Il faut aussi se dire qu'il y a quand même toute une série d'éléments positifs. Quand on voit le nombre de décès de personnes venant des maisons de repos qui a diminué très, très fortement. Donc, je pense que ce sont des éléments positifs. La saisonnalité aussi. On est au mois du mars, c'est le printemps, c'est le retour du beau temps. Donc, ce sont aussi des éléments qui nous permettront, je l'espère, vendredi, et en fonction de l'analyse des chiffres, de donner aussi des perspectives à l'ensemble des secteurs. On mesure évidemment que ça devient long pour tout le monde, y compris pour les jeunes qui sont en souffrance. Et nous avons décidé aussi au comité de concertation aujourd'hui d'intégrer toute une série de chiffres et d'indicateurs par rapport à la santé mentale, par rapport à la santé psychologique et notamment des jeunes, ce qui me semble indispensable. Bien, pour ce qui concerne la région Bruxelles, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. La situation, je pense, elle est connue de tous. C'est vrai qu'il faut pouvoir s'adapter, pouvoir être réactif par rapport à ça. Moi, je voudrais quand même évoquer la situation bruxelloise et dire que par rapport aux règles, nous ne changerons aucune d'entre elles, et donc y compris par rapport au couvre-feu, considérant, et après en avoir discuté avec un certain nombre de collègues bourgmestres, que ce couvre-feu à 22 heures nous a bien aidé cette semaine-ci, avec toutes les manifestations qu'on a pu avoir dans les espaces publics, dans les parcs et autres, et que ça permettait de régler pas mal de situations par elles-mêmes, et donc assez naturellement. Qui plus est, j'ai eu une expérience sur le port du masque généralisé dont je garde un souvenir mitigé, l'ayant imposé, l'ayant supprimé. Je pense que c'est des pas de danse dont on peut peut-être se passer, et donc je veux être très prudent et donc maintenir les règles, et on verra en fonction de cela. Mais en ce qui me concerne, ce serait évidemment ennuyeux, au niveau bruxellois en tout cas, de devoir reprendre une mesure dans quelques semaines, le cas échéant, et donc je pense que c'est la prudence qui s'impose. Et j'ai un grand avantage sur mes collègues, c'est que c'est des décisions que je prends moi-même grâce à la 6e réforme de l'État. Donc je ne dois pas m'embarrasser de gouverneur ou autre. Alors de temps en temps, c'est ennuyeux, puis de temps en temps, c'est assez confortable. Merci. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es wurde bereits hinreichend dargelegt. Uns ist sehr bewusst, dass die Menschen müde sind, die Zustimmungswerte sinken. Wir erleben auch Zeichen davon, dass die Menschen sich nicht mehr an die Maßnahmen halten, jedenfalls nicht mehr jeden Tag. Und das kann auch für die epidemiologische Entwicklung eine ernsthafte Gefahr sein. Wir müssen also, und das gehört zu unserer Verantwortung, den Menschen möglichst konkrete Perspektiven geben. Wir brauchen einen Stufenplan, eine Zeitlinie, der ganz klar für alle geschlossenen Sektoren, auch für unsere Kontaktmöglichkeiten aufzeigt, wann, unter welchen Voraussetzungen was möglich ist. Und wir haben in den vielen Vorgesprächen, die es zu der heutigen Sitzung gegeben hat, auch versucht, einen solchen Stufenplan zu erstellen. Wir haben darüber gesprochen, in welchen Monaten was an Perspektiven gegeben werden könnte. Und wir hatten uns eigentlich vorgenommen, heute auch
eine Entscheidung in diese Richtung zu treffen. Wir können aber nicht ignorieren, dass die Zahlen in den letzten Tagen deutlich schlechter geworden sind. Wir haben heute Morgen erfahren, dass 200 neue Krankenhausaufnahmen registriert wurden. Das ist seit vielen Wochen ein Rekord und den müssen wir sehr ernst nehmen. Deswegen ist mir lieber, dass wir die heutige Entscheidung um eine Woche vertagen, als heute gegebenenfalls die falschen Beschlüsse in die eine oder in die andere Richtung zu treffen. Der Stufenplan, so wie wir uns ihn vorstellen, wäre mit diesen Zahlen heute nicht verabschiedet worden. Da ist es mir lieber, eine Woche zu warten, die Zahlen noch einmal zu analysieren und dann gegebenenfalls einen solchen Plan zu entscheiden. Ich möchte anschließend an das, was Elio Di Rupo gesagt hat, auch für die deutschsprachige Gemeinschaft festhalten, dass wir die Ausgangssperre, die ja von 22 bis 6 Uhr galt, jetzt nunmehr von 0 bis 5 Uhr ab dem 1. März in Kraft treten lassen. Wir werden also den ministeriellen Erlass so anwenden, wie er für das ganze Land gilt. Wir haben jetzt keinen Grund mehr, in dieser Frage strenger zu sein als die flämische Region. Unsere Zahlen haben sich den anderen angeglichen. Dankeschön. Ja, dank je, Oliver. Er is veel over de ziekenhuizen gesproken. Meneer Van den Broek, misschien dat u voor een stuk wilt daarop ingaan. Over de situatie waar we het voor een stukje al over gehad hebben. Ja, ik zou dat zeer feitelijk willen doen, want ik denk dat u samen al zeer veel gezegd heeft. Dit virus test ons uithoudingsvermogen en het test onze eenheid. Maar gelukkig zijn we hier vandaag eensgezind om samen goed na te denken. Ik zou iets willen preciseren over de ziekenhuizen, omdat u het mij vraagt. Dus we hebben inderdaad deze middag 204 opnames geteld. Het is altijd een gegeven van de 24 uur die gepasseerd zijn. Dat is veel. En het aantal patiënten dat met COVID op intensieve zorgen ligt, is op 400 gekomen. Nu, er is een afspraak die we veel vroeger al gemaakt hebben. Dat is, als je daar komt, dan moet je eigenlijk aan de ziekenhuizen zeggen, u moet zich beginnen voorzien op misschien slechtere ontwikkelingen. U moet een soort van noodplanning volgen. Dat betekent eigenlijk dat we in het jargon dat wij gebruiken gaan van de fase 1a naar de fase 1b in de ziekenhuizen. En die brief is vertrokken. Dus we vragen aan de ziekenhuizen van naar de fase 1b te gaan. Dat betekent eigenlijk dat ze er zich moeten op voorzien dat ze de helft van hun bedden in intensieve zorg moeten kunnen beschikbaar hebben voor patiënten met COVID. Maar ik zeg dit vooral om de volgende reden. Deze opschaling betekent niet dat ze andere zorgen moeten uitstellen. Dat is niet zo. En dat is wel belangrijk voor de bevolking. Dus mensen die twijfelen of ze naar het ziekenhuis zouden gaan of naar de dokter zouden gaan, moeten absoluut niet twijfelen. De ziekenhuizen zijn veilige omgevingen, heel veilig. De dokters, de verpleegkundigen staan klaar om voor u te zorgen als u een of andere klacht heeft of een probleem. Dus de meest verkeerde beslissing die mensen zouden nemen is dat ze andere zorgen die nodig zouden zijn uitstellen. En dat is natuurlijk de voorbije maanden ook wel gebeurd, maar dat moet vandaag niet gebeuren. En dus ook wanneer wij zeggen aan de ziekenhuizen, u gaat van 1A naar 1B, die brief is vertrokken, dat heeft te maken met de organisatie van de ziekenhuizen, het is absoluut niet een signaal dat andere zorg uitgesteld wordt. Dat is absoluut niet zo. Dus andere zorg kan voortlopen en mensen moeten dus, als ze zich om een of andere reden niet goed voelen, ze hebben klachten, ze hebben reden om naar de arts of naar een ziekenhuis te gaan, dan moeten ze dat doen. Ik zou dat toch wel willen beklemtonen. En ik zou ook willen zeggen dat we inderdaad veel zorgen hebben met betrekking tot geestelijke gezondheid. We zien vele problemen. Daarom is het belangrijk dat we de scholen openhouden, want dat is belangrijk voor kinderen en jonge mensen dat ze kunnen naar school blijven gaan, ook al is het voor een aantal halftijds. Dat is erg belangrijk. Maar ik zal ook in de schoot van de federale regering enkele bijkomende initiatieven voorstellen ter directe ondersteuning van de sector geestelijke gezondheidszorg. Omdat initiatieven die we aan het uitrollen zijn, die vragen tijd. Maar er is niet veel tijd, we zitten in een urgentie. Dus ik denk ook dat we de komende dagen een aantal urgente beslissingen moeten nemen ter versterking van onze capaciteit in de geestelijke gezondheidszorg. We zullen dat ook doen. Dank u wel. Als ik
één element zou toevoegen, is als mensen twijfel hebben, laat u testen. Dus als u voelt, zou ik misschien symptomen hebben, alsjeblieft, aarzel niet om u te laten testen. U laten testen is de eerste manier om uzelf veilig te houden, maar ook om mensen om u heen veilig te houden. Question. Antonio Solimando pour RTL Info. Est-ce que les images des fêtes de jeunes ces derniers jours ont influencé votre décision? C'est ma première question. Et la deuxième, est-ce que vous allez tenir compte aussi dans votre réflexion la semaine prochaine sur la santé mentale dans les rapports de Cienzano? Est-ce que l'occupation des lits en pédopsychiatrie, par exemple, est quelque chose qui peut influencer vos décisions? Il est clair que si l'on prend des décisions, on prend des décisions avec le but de combler la situation épidémiologique. J'ai toujours été clair que les mesures de confinement qu'on a, on ne va pas les garder un jour de trop. Et je l'ai dit déjà plusieurs fois aussi au Parlement hier, dans les décisions qu'on prend, la soutenabilité et le bien-être dans le sens large est clairement un élément. On est depuis longtemps... On doit vivre dans une situation avec des mesures. Et donc, dans les mesures qu'on prendrait, on espère la semaine prochaine de pouvoir prendre des mesures qui le rendent plus soutenable pour nous tous, qui améliorent le bien-être pour nous tous, sont clairement des choses qu'on envisage. Et on regarde la situation épidémiologique, mais médicale, dans le sens large aussi, et aussi ce que vous nous venez d'évoquer. Nog vragen? Oui. Ah oui, je m'attendais que vous alliez poser une deuxième question. Mais une réponse à la fois, je vous laisse répondre. On va d'abord répondre à la première, question. Le but, c'est de faire un comité de concertation dans une semaine, mais ça peut se faire plus tôt aussi. Ça dépend de l'évolution. Comme vous, on suit l'évolution tous les jours. C'est vrai qu'une augmentation dans les hospitalisations... C'est quand même quelque chose qui nous interpelle. Et pour prendre une décision, ce qui était sur table, qui parlait de prudence en mars aussi, mais quand même d'une perspective sur des assouplissements, ce genre de décision-là, on peut uniquement la prendre si le sol est stable, si on a assez de stabilité dans les faits. Je pense qu'aujourd'hui, avec les chiffres qu'on voit, on n'a pas cette stabilité. Et je pense que ce serait pas une bonne chose de prendre des décisions qui vont tellement loin sur une base qui n'est pas stable pour l'instant. Et c'est ça le but dans la semaine qui vient, c'est de stabiliser cette base et de regarder quelle est l'évolution. On voit une évolution qui est récente. Je pense que ce ne serait pas une bonne chose de baser sur cette évolution récente, de dire on va quand même décider. Prenons un peu de temps pour mieux regarder quelle est cette évolution. Est-ce que c'est une évolution qui persiste ou est-ce que c'est une évolution qui est peut-être qui est plus courte? J'en viens à ma deuxième question pour une confirmation par rapport à l'arrêté ministériel. Les autres métiers de contact ouvrent donc bien le 1er mars? Tout à fait. Parce que ça, c'était une décision qui était déjà prise. Et on est vendredi, et là, on parle de lundi. Mais les nouveaux chiffres de contamination ne vous font pas douter? Non, parce que on a des protocoles, et on les a vus par rapport aux coiffeurs, qui vont très, très loin, beaucoup plus que ce qu'on avait avant. Si on était convaincus
que pour les coiffeurs, ça pouvait se faire en sécurité, ça peut se faire aussi en sécurité pour les autres métiers de contact non, non médicaux. Alexandre Penas de Kairospresse.be. Excusez-moi, c'est difficile de poser une question. J'avais donné la parole à M. Delobel. Je viens à vous tout de suite après, monsieur. We moeten een beetje een evenwicht doen. We kunnen niet enkel Franstalige vragen doen, toch? Zo bijna denken, dat de Nederlandstaligen schrik hebben om vragen te stellen. Wat ging u vragen? De voorbije weken hebben we een enorm opbod gezien. Uit alle richtingen van mensen die om versoepelingen vroegen. We hebben van alle kreten gehoord, ook van mensen die zeiden van het gaat niet meer. We hebben zelfs partijvoorzitters gehoord die zeiden van we kunnen ons niet meer aan de regels houden. Het is niet meer te doen. U doet nu een oproep. U zegt van ik doe een persoonlijke oproep aan de mensen. Wees voorzichtig, hou u aan de regels. Hoe kijkt u daarnaar, naar de manier waarop jullie beslissingen moeten nemen, maar wel van buitenaf die druk zo enorm is? Het is moeilijk om te rijmen. Hè? Spreken is zilver, zwijgen is goud. Dit is een moeilijk moment. En ik denk dat elk van ons zich zeer bewust is van het feit dat we snakken naar meer mogelijkheden. En snakken naar die vrijheid waar dat we zo vaak over gesproken hebben. Maar mochten we dat op een ondoordachte, op een roekeloze manier doen, dan zou dat maar een zeer kortstondige vrijheid zijn. Is het ons waard om het op een ondoordachte manier te doen en om die vrijheid dan te hebben en die twee weken later opnieuw te moeten opgeven? Dat is waar het eigenlijk over gaat. Waar het over gaat is, doen we het op een moment waarvan we weten dat het veilig genoeg is. En dat is een moeilijke opdracht. En dat is een opdracht waar we elkaar moeten steunen. En waar ik denk dat het logisch is dat wie verantwoordelijkheid heeft, ook beseft dat ze een voorbeeldrol heeft. Is het dan mogelijk om daar over een week al duidelijkheid over te hebben? We hebben toch altijd gehoord van die cijfers, moet je op iets wat langere termijn bekijken. Wat gaat die week verschil maken? De kans dat het die week beter gaat worden, en dat we effectief, zoals meneer Jan Bol zegt, volgende week de beslissingen gaan kunnen aankondigen die we vandaag wilden aankondigen, die kans is toch heel klein? Wel, maar het overlegcomité van nu volgt op een vorig overlegcomité die, denk ik, twee weken geleden was. En dus je moet het niet bekijken ten opzichte van vandaag. Je moet het bekijken ten opzichte van het vorig overlegcomité. En dan denk ik dat er eigenlijk maar één conclusie kan zijn. Je kan alleen beslissingen nemen als je stevig op de grond staat en een stevige basis hebt. En die basis die is vandaag niet stevig en daar kan je die beslissingen niet op nemen. Ja. Alexandre Penas de Kairospresse. Monsieur, s'il vous plaît. Non, je viens chez vous après, ça fait 5 minutes que je demande. Dank u wel, meneer Premier. Ik vroeg me af of er vanmorgen of vanmiddag nog overleg is geweest met de wetenschappers, de virologen, of is er een rapport gekomen of zo. Want ik herinner mij dat om 1 uur minister Van Petegem nog in VTM-nieuws zei dat er waarschijnlijk toch een versoepeling zat aan te komen voor het leven in open lucht, die buitenbubbel dan van 4 naar 8 of 10 zei. Dus ja, een uur later op het overlegcomité is dan iets anders beslist. Dus ik vraag me af of er dan intussen tijd een rapport is gekomen of een duidelijk signaal van de wetenschappers om dat toch niet te doen. Wel, er waren de cijfers van de ziekenhuisopnames die de voorbije dagen omhoog gingen, maar waarvan men er nog zou kunnen uitgegaan zijn dat het wat men noemt outliers zijn. Namelijk cijfers die buiten de trend liggen, maar die niet fundamenteel zijn. Cijfers die dan binnengekomen zijn ten opzichte van gisteren, ja, dan zou je toch wel heel veel outliers naar elkaar moeten hebben. Wat ons doet geloven dat iets meer tijd nemen ons meer zekerheid kan geven. Zoals ik het daarjuist gezegd heb, ik denk dat je voldoende stevig op de grond moet staan om die beslissing te kunnen nemen. En dat is nu niet het geval. Monsieur Penas. Enfin, c'est compliqué. Un petit mot à la régie d'abord. Essayez de ne pas couper mon micro et de ne pas lancer le générique de fin. Monsieur, le but, c'est de poser une question. Oui, 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 tout à fait. Voilà. Alors, toutes les mesures politiques sont basées sur des chiffres qui viennent de tests PCR, dont Monsieur Van Lathem a dit que le cycle d'amplification était beaucoup trop haut. Il l'a dit, dans ceci n'est pas un complot. Est-ce que vous allez enfin tenir compte d'avis d'autres scientifiques ?
d'autres études qui disent qu'il faut prendre des cycles d'amplification beaucoup plus bas et qu'on ne confondra plus cas positif et malade du Covid. Parce que là, il y a, en termes de coûts-bénéfices, là, c'est un peu catastrophique ce qui est en train de se passer. En tant que journaliste, je suis en contact avec beaucoup de gens qui... Oui, une question, j'avais dit. Ouais. Oui, bon, il y en a qui en posent deux, mais bon. Oui, monsieur, vous pouvez douter à beaucoup de choses et à beaucoup de faits. Mais si vous lisez les journaux, vous allez voir que dans les journaux, il y a une chose qu'on voit nettement plus, et c'est de faire part. On voit beaucoup plus de faire part dans les journaux. Alors, vous pouvez douter à beaucoup de choses, mais ça, c'est une réalité. Et c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui, malheureusement, qu'on doit quitter. Et donc, je comprends que vous avez des doutes, mais des faire part, je ne pense pas qu'ils sont faux. C'est une autre question. Oui. Oui, au-delà du constat du nombre d'hospitalisations qui sont en hausse, est-ce que vous avez reçu des explications, que ce soit de la part du commissariat Corona, du GEMS, de Sensano, sur le pourquoi de cette montée? Et si ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a eu ces explications, quand est-ce que ça va arriver concrètement pour expliquer aussi aux gens pourquoi il y a une remontée dans certaines courbes? On s'y perd et je pense que la population ne comprend pas toujours l'interprétation des chiffres qui lui sont communiqués. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation des contaminations qui est là depuis un peu plus qu'une semaine. Et on avait vu dans les chiffres une sorte d'oscillation. Hein. Ça montait un petit peu, ça descendait un petit peu. Et en général, ce qu'on voit, c'est que les hospitalisations suivent avec un certain délai. Ce qu'on constate maintenant, que ce délai est plus court. Et ça, c'est nouveau. On voit aussi dans le séquençage des tests qu'il y a beaucoup plus de cas de variantes et de variantes britanniques, qui est un trend qu'on voit dans notre pays, qu'on voit aussi dans d'autres pays. Ce qu'on voit, c'est que l'augmentation de l'hospitalisation, et on l'avait en fait, anecdotiquement, on l'avait entendu, il y a des responsables d'hôpitaux qui avaient déjà hier et avant-hier dit, on voit dans nos hôpitaux qu'il y a une évolution qu'on n'avait plus vue avant. On voit les chiffres d'aujourd'hui que c'est assez généralisé. Et donc le fait que c'est assez généralisé nous a fait demander au commissariat d'analyser cela plus en détail. C'est clair qu'une évolution récente, on doit bien comprendre quels sont les éléments sous-jacents de ce qu'on voit. Oui. Donc, comme dit l'arrêté ministériel, il reste applicable. Donc, toutes les mesures qui en font part restent en vigueur, en effet. Oui. Vous avez parlé d'indicateurs pour la santé mentale. Donc, on a demandé dans les analyses de les inclure et c'est en train de se faire pour avoir des données objectives. Par rapport à cela, on demanderait aux experts de vous donner plus de détails par rapport à ça. OK, bedankt.